Au fil des 100 numéros de Terres et Vignes, des visages sont régulièrement apparus afin de partager et faire connaître les coulisses d'un univers méconnu. J'ai découvert un univers que j'ignorais, un univers agricole, tout en dynamisme, en perpétuelle innovation. Au cœur de ce mouvement, Terres et Vignes a démontré que les femmes sont bel et bien présentes. Parmi elles, Béatrice Richard n'hésite pas à donner de sa personne. Qu'est-ce qu'on fait pas pour la Chambre de l'agriculture et Terres et Vignes de l'Aube ? Il faut avouer que la cause est noble. Proposer des dégustations insolites. Côte des Bars regorge de lieux tout à fait insolites. C'était un homme en croix qui jouait. C'était un moment, mais fabuleux. Elle n'hésite donc pas à faire sonner les cloches pour rappeler les règles du savoir-vivre pour bien déguster le champagne. Ah, tiens. Votre chère, votre santé. Sachez qu'on ne peut pas être plus de deux, sinon il n'y a plus de place. Donc cela ne peut être qu'une dégustation romantique ou susceptible de l'être. À propos de place et de hauteur, elle a atteint les sommets à Montgolfière. Salut la Montgolfière, vive Estia ! Et ben voilà les vignes, ça y est. Nous voilà au-dessus du vignoble. Ah, le petit garçon, il a dit viens, c'est trop marrant. À la vôtre, Alain. Allez. Merci. Nous avons une mise en scène absolument parfaite pour nos petites chroniques. Hop, on pourrait manger des cerises. Elles sont pas mûres. Et oui, Béatrice a une certaine exigence pour accompagner le champagne. L'association champagne-champignon, ça va bien aussi. Hein, ça va bien aussi. Tu retrouves le terroir. Il est précisé que le champagne contient énormément d'oligo-éléments, dont du lithium. Ah oui. Donc c'est un antidépresseur naturel. Messieurs, à la vôtre. La viticulture remède à la dépression, c'est une forme de remerciement insolite au travail traditionnel du vigneron. Je te sers, Béatrice. Non, trop tard. Comme ça, sur le pupitre ou au bord des lattes, et qui, dans tous les cas, continuera à t'éclairer. Et puis, évidemment, au fur et à mesure que ta bougie, elle s'use, tu peux la remonter par ce système. On se quitte là-dessus.